On va continuer dans notre exemple de régression. Puis là, maintenant, donc on suppose qu'on a la grille d'apprentissage qui nous donne ce vecteur de paramètre W là. Okay. Puis là, maintenant, on va considérer qu'est-ce qui arrive quand je l'utilise, entre autres, pour différentes valeurs de mon paramètre M. OK. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tantôt ici. Donc, j'ai un algorithme qui me trouve, pour un M donné, c'est quoi le meilleur W? Maintenant, comment est-ce que je choisis ce M-là ici? Okay. Donc, finalement, l'ordre du polynôme, c'est quoi exactement? À quel point est-ce que je peux, finalement, monter et descendre dans ma courbe? C'est déterminé par M ici. Plus M est grand, plus je peux monter et descendre dans ma courbe au fur et à mesure que X varie. Bon, si M a une valeur très petite, je vais avoir de la difficulté à passer proche de mes différentes valeurs de cible pour les différentes valeurs d'entrée. Okay? Donc, ça ici, c'est le cas M égale 0. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que Y de XW, c'est égal à juste W0, c'est une constante. Donc, je prédis toujours exactement la même valeur. Donc, on voit qu'avec peu de capacité-là à changer la forme de ma courbe, je suis loin d'une solution qui est très satisfaisante. Maintenant, si j'ai M égale 1, là, ça veut dire que j'ai Y de X, W, qui va être égal à W0 plus W1 fois X. Donc, ça veut dire que j'ai une droite. Essentiellement, je peux, en contrôlant W0 et W1, je vais pouvoir passer une droite qui est... puis mon algorithme d'apprentissage va me trouver la droite qui minimise les erreurs. Donc, qui minimise finalement la distance entre ma droite puis chacun des points ici, là, comme ça. Cette distance-là au carré. Donc, dans ce contexte-ci, avec M égale 0, M égale 1, on va dire qu'on est en sous-apprentissage. Ce qu'on va dire par là, c'est que si on regarde essentiellement à quel point on a réussi à bien prédire les données dans notre ensemble d'entraînement, on est très loin d'une solution qui est satisfaisante. On fait des erreurs assez élevées sur notre ensemble d'entraînement. Okay. Donc, on est en sous-apprentissage parce qu'on n'a pas été en mesure de profiter entièrement de nos données, finalement. Maintenant, si je prends une valeur de M qui est assez élevée, par exemple, dans ce cas-ci, M égale 9, plus je vais augmenter M, plus je vais être en mesure de passer à travers mes différents points. Alors, en fait, avec M égale 9, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. En fait, je suis capable d'avoir un polynôme, puis trouver le W tel que ma courbe passe exactement en chacun des points ici. Cependant, la vraie solution qu'on aimerait trouver, c'est cette courbe-là ici, qui est la courbe en vert. Puis pourquoi c'est la meilleure solution? Mais comme je l'ai dit tantôt, de la façon que les données ont été générées, c'est que j'ai, mettons pour ce point-là ici, j'ai dit, ben ma cible, ça va être cette valeur-là ici, mais plus un nombre aléatoire. Puis pour ces données-là que j'ai collectées, il s'est trouvé que plus le nombre aléatoire, ça a donné ce point-là ici. Mais si j'observe un nouveau X, puis que je repasse à travers le même processus, ben ça se peut que pour le même point, finalement, que j'observe cette cible-là ici à la place. Donc là, je ferais une erreur qui est assez élevée. Donc en fait, puis si on retourne dans le contexte où, par exemple, si c'est le prix du bois, puis ça, c'est le prix de moyen des maisons, ben essentiellement, je suis en train d'essayer d'expliquer tous les facteurs possibles qui influencent le prix d'une maison simplement par la valeur du coût du bois, ce qui n'est pas réaliste, puis ça va mal généraliser. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on va dire qu'on est en surapprentissage. Donc, on a essentiellement appris non seulement à prédire bien les cibles, mais en fait, on prédit ce qui n'est pas prévisible à partir juste de notre entrée. On est en train de prédire le bruit qui n'est juste pas prévisible à partir de notre entrée qui est spécifiée. Okay. Et ça va faire que sur des nouvelles données, on va moins bien performer. Donc, comment est-ce qu'on choisit M? Une valeur plus petite, ben, ça n'aura pas appris entièrement de mes données, donc ça ne va pas très bien performer sur des nouvelles données. Mais une valeur trop grande, ben, à l'inverse, parce qu'on a appris à prédire du bruit, finalement, on a appris par cœur. On ne va pas bien généraliser sur des nouvelles données, comme nous, quand on apprend par cœur, on n'a pas nécessairement compris le concept derrière, on n'est pas nécessairement en mesure de bien l'appliquer. Donc, trouver cette meilleure valeur de M-là, c'est ce qu'on appelle la sélection de modèle. Okay, donc, quand je vais parler de sélection de modèle, ça va être de choisir des paramètres comme ça qui ne sont pas déterminés par mon algorithme d'apprentissage, que je dois donner a priori à mon algorithme d'apprentissage avant de l'exécuter. Puis là, on va voir plus tard différentes procédures pour essayer de trouver cette bonne valeur de M-là. Par exemple, ici, une valeur de M égale 3, ça semble être un bon compromis où je suis assez proche de mes points, puis en fait, je suis proche de la vraie
meilleure fonction que je pourrais trouver là, qui a été utilisée pour générer les données. Ici, on va introduire la notion de capacité. Donc, la capacité d'un modèle, quand je vais parler de capacité d'un modèle, c'est justement sa flexibilité à apprendre par cœur les données d'entraînement. Donc, dans ce cas-ci, plus M, le degré du polynôme est grand, plus la capacité va augmenter. C'est-à-dire que plus je vais être en mesure de varier, puis de faire monter et descendre mon polynôme au fur et à mesure que je varie la valeur de X pour atteindre exactement c'est quoi la cible que je dois prédire. Et tous les autres algorithmes d'apprentissage vont avoir des paramètres comme ça, qu'on va appeler hyperparamètres, qui vont contrôler la capacité. Et de façon générale, plus la capacité va être grande, plus l'erreur qu'on va observer sur notre ensemble d'entraînement, ou la somme des pertes, va être petite. Okay. Mais aussi, ce qu'on va observer, c'est que plus la capacité va être grande, plus aussi l'erreur de test, la différence entre l'erreur d'entraînement et l'erreur de test, elle va augmenter. Donc, on a un exemple ici d'une expérience qui a été exécutée avec cet algorithme-là où j'ai pris, pour différentes valeurs de M, j'ai appelé mon algorithme d'apprentissage, puis j'ai demandé de trouver le meilleur W. Et là, j'ai montré ici c'est quoi ce qu'on appelait E de W, finalement, du W étoile pour ce M-là. Donc, c'est quoi la somme des erreurs au carré. Puis en fait, ce qui est montré ici, c'est la somme des erreurs au carré, mais avec cette formule-là aussi, où on multiplie par 2 pour canceller le 1 sur 2 qu'il y avait dans E de W. On va diviser par N pour avoir plutôt que la somme, avoir la moyenne. Puis on va prendre la racine carrée pour revenir sur la même échelle que les cibles originales. Ce qu'on appelle la root mean square error, qui est parfois une mesure qui est plus acceptée là, pour mesurer la performance d'un algorithme. Donc, ce qu'on va observer, plus on augmente la capacité d'un modèle, plus la différence entre mon erreur telle que mesurée sur mon ensemble d'entraînement, qui est la courbe en bleu ici, et l'erreur sur mon ensemble de tests, qui est là pour mesurer à quel point je suis bon sur des nouvelles données qui ne sont pas dans mon ensemble d'entraînement, plus cette erreur-là va grandir, en fait. Donc, vous voyez que la différence entre ces points-là ici, tranquillement, pas vite, ici, elle augmente un peu plus, puis là, éventuellement, ici, elle a augmenté vraiment beaucoup. À quel point ça va augmenter rapidement, ça dépend d'un algorithme à l'autre, mais c'est toujours ça qu'on va observer. Puis en fait, ce qui va arriver, c'est que la distance ici entre les deux courbes va augmenter plus rapidement qu'on va réussir à pousser vers le bas cette courbe en bleu ici. Ce qui fait que ce qu'on va observer, en fait, sur nos nouvelles données, notre performance de généralisation sur l'ensemble de tests, c'est qu'on va avoir une espèce de courbe en U comme ça, où ça va se mettre à diminuer. Puis là, à un moment donné, la capacité va être tellement grande que là, elle va se remettre à augmenter. Okay. Et là, quand je vais parler de sous-apprentissage, mais essentiellement, on va se trouver ici. On va se trouver dans un régime où je n'ai pas donné assez de capacité à mon modèle pour que l'erreur d'entraînement baisse assez, pour que l'erreur aussi de test baisse suffisamment pour avoir une meilleure performance. Puis ici, on va plutôt se trouver en sur-apprentissage où j'ai tellement appris par cœur mes données dans mon ensemble d'entraînement qu'en fait, je généralise très mal sur des données de test. Et ça ici, ça va être le surapprentissage. Donc ici, on est vraiment en sous-apprentissage, puis ici en surapprentissage. Ceci étant dit, plus on va donner de données à notre algorithme d'apprentissage. Donc plutôt que d'avoir seulement, dans ce cas-ci, j'ai 15 points, imaginons que j'ai 100 points, puis que je continue à augmenter le nombre de points ici, pour un algorithme d'apprentissage donné, meilleure ma performance sur des nouvelles données va être. Donc, en fait, on voit ici que pour n égale 15, le polynôme qui m'est sorti, bien, il ressemble à ça ici. Il est quand même assez loin de celui que j'aimerais trouver, là, qui est la même meilleure chose que je puisse faire, qui est la courbe en vert ici. Par contre, avec n égale 100, donc même si j'ai quand même beaucoup de capacités qui faisaient que ici j'étais capable de surapprendre sur mes données, bien là, en ayant beaucoup de données, j'ai réussi à me rapprocher de la courbe en vert qui chevauche presque, là, qui est exactement la même. Donc, une autre relation qu'il va y avoir dans ce cas-ci entre la quantité de données qu'on a puis la performance de l'algorithme d'apprentissage, c'est que plus on va lui en donner en entraînement, plus la performance va être bonne. D'accord?